sera un tag et c'est le tag des tant que ton n'est plus qu'on ne pense pas. J'ai bugué. Les 100 questions les plus qu'on ne pense pas. Les plus qu'on ne pense pas. 100 questions qu'on ne pose jamais. Voilà. Donc on va essayer de... Parce que vous nous connaissez maintenant. On va essayer de répondre vite. Parce que c'est dur, hein, mais on va quand même le faire. Pour vous. Ouais, on n'argumente pas. D'accord. Non, allez, go. Si on argumente, on se fout une claque. Okay. D'accord. Non, non, pas une claque, ça fait mal. Question 1. Tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Fermée. Fermée, j'ai vraiment très très peur. J'ai même un verrou. Parce que mon père, il somnambule. Et j'argumente. C'est ce que je dire. 2. Emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels? Ouais. Bah, je vais jamais dans les hôtels. Bah, avant, quand j'étais dans un hôtel, bah, je l'ai fait. Ouais, si, si, y en a, mais la dernière fois, j'étais à Marseille et il y en avait pas parce qu'ils mettent des nouveaux trucs, hein, t'as plus le droit de piquer les machins. Non. Si, en fait, c'est un truc et c'est accroché contre le mur et t'as juste appuyé pour que ça donne du shampoing, en fait. Oh, les chiens. Tu peux pas le décrocher. Eh, on se vaut plus le coup maintenant de dans un hôtel. Ouais, c'est vrai. Tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Bordé. Aucun des deux, il est carrément pas fait du tout. Ah, moi il est bordé, moi il faut que ça soit droit, carré, les oreillers deux comme ça, un oreiller sur ma tête, l'autre à droite, ma couette comme ça, moi mon bras ici, et là je dors. Je suis un peu maniaque quand je dors. Alors, moi j'ai deux couvertures, quatre oreillers. Non, c'est vraiment. Et moi aussi deux couvertures, mais les couvertures devraient rester droites. Ah ouais? Ah la vache! Bon, là on argumente pas parce qu'on est qu'à la troisième. Kat, as-tu déjà volé un panneau dans la rue? Est-ce qu'on a déjà fait ça? Je crois pas. Non, je crois pas. 5, utilises-tu des post-it? Oui, oh plein, je suis une dame post-it. Donc demande un post-it, moi dans les cours, je fais oui, oui, tiens. Ils arrachent pas. Ouais, moi dans les toutes les couleurs. Ouais. Dans le vert, bleu, jaune, jaune. Tu m'as regardé, t'as fait une bah, sur mon ordi et dans mon code civil. 6. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Oui, ça reste tout le temps. Oui. Ça reste dans mon portefeuille. Ouais. Et quand j'étais petite, je remplissais les questionnaires des coupons, mais je sais pas beaucoup. J'aimais bien marquer mon nom, prénom, adresse. 7. Tu préférerais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Ça, on a déjà répondu. Ours. As-tu des... 8. As-tu des taches de rousseur? Ouais. Ouais. J'en ai même sur les bras, je crois. Bah ouais. Ah ouais, toi t'en as plus que moi, par contre. On voit absolument pas. Ah bah c'est pas trop tôt. Ouais, on voit pas trop. Ouais. J'en ai chaud à la gueule. Ouais, bah si, j'ai l'impression. Mais plus l'été, hein. L'été, ouais. C'est pas pourquoi ça ressort. 9. Souris-tu sur toutes les photos? Non. Des fois, je fais la gueule. 9. Comme ça. Moi aussi, je leur ça va pas du tout les gars. Ouais. Non, je rigole. Non, des fois je fais genre. Ou plus souvent on est genre. Non, plus souvent on fait genre. Non, mais quand même régulièrement je fais genre mon petit sourire, genre. Voilà. 10, quel a été ton plus gros caprice? Non, j'ai jamais fait de caprice, moi j'ai pas caprice des dieux. J'en ai fait tellement. C'est vrai? Ouais. Mon plus gros caprice, je pense que ça... C'est vachement superficiel, hein, mais je crois que ça a été pour un manteau. C'est vrai? Genre tu t'es roulé par terre et tout? Ah non, mais genre j'ai fait la gueule à mes parents et je disais ouais, ta mère vous aime pas et tout. Mais c'était il y a 3 ans, hein. Maintenant j'ai grandi depuis. Mais le manteau il coûtait super cher et tout, donc je comprenais mes parents, mais je voulais quoi. Non, franchement j'ai rien qui me vient, j'en ai peut-être fait, mais... 11, comptes-tu les marches que tu montes? Oui. Oui. Chez moi, j'en ai 17. Donc, chez moi, il y en a, pour le premier palier, il doit y en avoir genre dans 32. Et genre, les 32, il faut tout le temps, quand je commence à monter, que je pose le pied gauche avant le pied droit. Ah bah moi, c'est l'inverse, le pied droit avant le pied gauche. Non, parce que si je fais ça, au moins, quand j'arrive dans mon palier, je pose d'abord le pied droit, quand je finis les marches. Donc du coup, voilà. Mais trop bizarre. Et pour aller à la bibliothèque, à l'IUT, il y en a 118. Je les ai comptés une fois parce que à chaque fois j'arrive au jeu. S'il vous plaît. 12. As-tu fait ta petite commission besoin dans la forêt? Petite, ouais. Attends, il y a la question 13 après.
Oui, j'ai déjà fait. 13. Et la grosse commission? Oui, j'ai déjà fait. Moi non. Bon, on s'en fiche, hein, c'est la nature. Ouais. J'ai fait de l'engrais. 14. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Oui, tout le temps. Every day, every time. En malade. 15. Mâches-tu le bout des stylos et crayons? Non. Ah, je déteste ça. Ah, moi aussi. Et genre, la dernière fois, du coup, on m'avait mâché mon crayon à moi. Alors, du coup, tu sais, j'ai l'habitude quand même de le poser sur mon menton. Et genre, là, j'ai fait. Ah. Ouais. Ouais, elle l'avait mâché. Ouais. Bah, tiens, tu peux me passer ton stylo? Après, tu vois qu'il est bouffé. Ah, non, merci, j'avais plus besoin. 16. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Une. Et les animaux ou quoi dedans? Ouais. Allez, c'est des personnes. C'est des êtres dotés de sensibilité depuis la loi qui est passée le mois dernier. Bah deux. Deux? Voilà. Moi c'est ma sœur. Mais j'ai pas de copain. Non, passe, une autre question. 17. Quelle taille fait ton lit? Moi c'est un petit, une place. Ah moi il est trop petit pour moi. Enfin, alors c'est moi qui suis trop grande pour lui. On dort un dedans, on est large. Ah non, mais moi je te jure, mes pieds ils dépassent de tout ça. Moi ça me stresse. La grande perche. Du coup, est-ce que je vais... Ouais, non, il doit faire 180 sur 160, je sais ouais. pas moi. Bonjour. Ouais. Je sais pas, j'ai jamais compté mon lit. 18, quelle est ta chanson de la semaine? C'est... J'en ai pas de la semaine, en fait, c'est toute ma vie que je les aime. Enfin, tu sais, j'ai pas une... Moi, c'est une bonne musique, donc il faut que vous alliez l'écouter. Soldier On de The Tempered Trip. Voilà. 19. Est-ce ok de porter du rose? Non. Oh non, c'est banni. C'est banni par la loi. Moi, je bannis tout le rose, tout le violet rose. Je déteste ça. 20. Regardes-tu encore des dessins animés? Oui, non. Encore hier. Avant de m'endormir, j'ai regardé les Totally Spies. Voilà. Non, mais ça, c'est vrai que c'est bien. Ah, j'adore les Totally Spies. C'est vrai que c'est. Sur Netflix, il y a la saison 1. Alors, moi, je regarde toute la saison. Je suis à fond dedans. C'est un truc de fou. 21. Quel est ton dernier film que tu as vu et que tu as aimé? I don't know. Le Château Ambulant. C'est un dessin animé. Genre. Ah, bon? Il tue. J'adore. Il est très bien. Ou alors 20 ans d'écart, si on veut un vrai film. J'ai bien aimé, je trouvais qu'il était cool. Bon, franchement, j'avais pas de film qui me vient. 22. Où cacherais-tu ton trésor si tu n'y avais un? Bah, faut pas le dire. Bah oui. Bah, je trouve ça un peu bête, là, cette question. C'est vraiment n'importe quoi. Non, mais je t'arrive quand même pas parce que là, je me sens trop offensée. Ils nous ont pris pour des débiles. Débiles. 23. Que bois-tu en mangeant? De l'eau. De l'eau. Toujours de l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie. On l'a déjà dit. 24. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? Ketchup. C'est la sauce burger. Ah ouais? Ouais. Et c'est pour les hamburgers, t'es pas logique. Mais je m'en fous. 25. Quel est ton plat préféré? Escalope de dinde à la sauce forestière avec des spaghettis. Ouais. Moi j'en ai trop. Mon plat préféré, j'adore les tomates farcies. Je l'ai mangé hier. Elle du riz. Ou sushi? Je dirais plus sushi quoi. Ouais. Non, je sais pas. Parce qu'en ce moment, j'en mange plus beaucoup. Et McDo, j'aime beaucoup aussi McDo. Mais j'en mange pas du tout souvent. J'aime pas McDo, faut pas aimer. Non, faut pas aimer, c'est pas bien. 26. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore? Et B. Ah, j'hésite. Hein. Bah, moi, je me lasse très très vite. Ah, je me lasse pas des films. Je sais pas, parce que mon record, je pense, des films que j'ai dû regarder, ça a dû être sur Bad Boy. C'est un cliché, hein. Je sais pas pourquoi d'ailleurs je regarde des Bad Boys, mais je regarde des Bad Boys. Et j'ai dû regarder au moins plus de 50 fois. Mais moi c'est Pearl Harbor que j'ai regardé le plus souvent. Oh ouais, Pearl Harbor, putain. 27, la dernière personne que tu as embrassée. Ma mère. Non, bah j'ai pas embrassé quelqu'un depuis longtemps. Non, ça dépend comment on veut dire embrasser. Ouais, embrasser comment? Sinon, je crois que ça doit être quand j'ai dit bonjour à mes parents ce matin. Ah, je leur dis même pas bonjour, moi, donc ça va faire quelque chose. Moi aussi, je fais un bisou au lever, un bisou au coucher. Oh, et mon chien aussi, il attend, et si je fais pas, il me regarde comme ça. Eh, hey, moi, mon chien, il saute dessus si je lui fais pas. C'est vrai? Oui. Voilà. Voilà. Bah, mon choix. Encore ce matin. 28. As-tu fait les scouts? Non. Non. Poserais-tu dénudée pour des magazines? Non. Non. À part si c'est pour le cancer.
Ouais, des bonnes causes, vraiment. Ouais, hein. Voilà. Mais pas genre... Kim Kardashian. Non. Non, c'est pas mon genre. C'est vrai que j'arrive pas à me déshabiller devant les gens. Ouais, c'est clair. Déjà, mais devant ma mère, alors... Quand étais-tu la dernière fois que tu... Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? À moi. Ouais, moi aussi, parce que c'était ma lettre de motivation. Ah bah non, alors... Il y a 2 semaines. 31, sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Oui. Non. Je sais pas, je ne l'ai jamais fait en fait, mais je pense savoir si je suis débrouillard. Ouais. 32, as-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse? Je sais pas. Oui, quand elle a couru, parce que... quand elle a couru pour... tu sais, quand on a... il y avait l'orage. Ouais, déjà, un excès de vitesse incroyable. Hein, ouais. 100 km. On l'a vu passer, vous savez? 33, tomber en panne d'essence, non? Oui, bah avec, en tout cas avec mes parents, oui. Quand ça a filé. C'était au choix d'ailleurs. 34, ton sandwich préféré? Franchement, je mange pas de sandwich. Bah, je kiffe ici parce que je mange pas de jambon, voilà. Du coup, je mange pas de viande. Du thon avec des crudités. J'adore. Ah ouais, t'en prends des fois, ok. La meilleure chose au petit déjeuner, des céréales, spécial cas. Oh, le chocolat. Chocolat au lait, bien sûr, c'est le meilleur. C'est génial. Avec tranche d'orange. Voilà. 37, es-tu feignante? Oui, très. Pour les choses, un, deux. Pour les choses que j'aime pas faire, oui, mais carrément, mais absolument. Ah, moi pour tout. Ah ouais? C'est horrible. Ah, c'est pas bon, ça pour plus tard. Ouais, je suis très, 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 très feignante. 38, quand tu étais petite, en quoi tu te déguisais pour Halloween? Je me déguisais pas en fait, pas Halloween. Moi non plus. 39, quel est ton signe astrologique chinois? Ah, m'en rappelle plus! Bah, français, c'est poisson, alors allez, chercher. Ah, je crois que c'est un taureau, non? Je sais pas, un bélier, non? Comment on appelle ça? Un gros bœuf. Un bœuf, je crois que c'est bon. Moi, je crois que c'est le singe. Je sais plus. 40, combien de langues peux-tu parler? Oula! Hello? Allô? En allemand. Allô? Ah, good morning. Guten Tag. Guten Tag. Je rigole, mon petit enfant. 4. Non, bon. Et le ténois. Non, franchement, parler que français, hein, parce que je peux pas parler d'autres langues couramment. Bah, anglais aussi, un peu. Un ouais, peu anglais, plus. Mais genre, si je parle avec quelqu'un, je comprendrais pas tout. Ah, tout ouais, ce non, qu'il non, dit, non, plus. Non plus. Alors, pas du tout. Et 41. Es-tu abonné à un magazine? Oui, Bi. Moi, non. Avant, j'étais abonné à Cheval Star. Mais ça, c'était avant. Ouais. Vous allez vous aimer. 42. Plutôt Lego ou Domino? Lego. Lego. Tu peux faire des belles constructions. Ouais. Non. Domino, je suis pas assez patiente. Oh, moi non plus. Oh, ah, puis pour peu qu'il y ait un con qui fasse tomber mon putain de Domino. Avec ma soeur, qu'est-ce qu'on s'est engueulé quand on est petite? Pour les dominos. 43, es-tu têtu? Oui. Je crois que vous avez personne le plus têtu du monde devant vous. Ouais, on est très têtu. Ouais. Mais alors, je pense, dans la têtuité, on est dans le. En fait, je suis au summum avec mes proches. Sinon, genre têtu avec. Ah, si, avec mes profs aussi. Ouais, moi aussi. Avec ma prof d'éco. C'est le pire du monde, ça. 44, Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Jean-Pierre Pernaut. Ouais, Jean-Pierre, JP. Il a accompagné toute notre enfance, Jean-Pierre Pernaut. Tout la main. 45, as-tu regardé des séries à l'eau de rose? Ah non, je déteste ça. Ah si. 46, as-tu peur du vide? Non. Le vide... Le vide dans le la vide tête. Genre là, c'est vide ou... Le vide dans la tête ou... Non, le vertige. Non, je pense que le vertige, ouais. Bah, non. Bof. Ah, j'aime pas trop ça, quoi. Ouais, pareil. Ouais, c'est vrai. 47, chantes-tu dans la voiture? Oui. Tout le temps. Mmh. Et genre, des fois, les gens ils me croisent et ils ont dit, mais tu parlais à qui? Mais non, j'ai chanté. Mmh. Je suis désolée, je chante tout le temps. Moi aussi. 48, chantes-tu dans la douche? Oui. Tout le temps. Oui. Je chante pas trop, trop fort parce que j'ai toujours peur que ma mère elle écoute à ma porte. Ouais. Genre, oh putain, écoute c'est ta le... fille, encore en train de chanter son truc de merde. Là, 49, danses-tu dans la voiture?
Ouais. Danser. Bah si, franchement, il y a une bonne musique qui passe à la radio, genre que je kiffe et tout. Je suis genre en transe. Ouais, moi aussi, je pensais quand je conduisais, quand je conduis, non. Mais sinon, ouais. 50, utilises-tu un pistolet? Genre pistolet pompon ou... Pistolet à eau, si ça compte. Ouais.